J'ai pas l'habitude d'être en face d'autant de gens qui me fixent du regard et me demandent des photos. Quand l'océan rugit, tout le monde l'écoute. Ton père a eu un accident. L'artiste se trouvait dans sa maison, près de Carthagène, lorsqu'une fuite de gaz et une cigarette ont provoqué une explosion qui a causé sa mort. T'es venu ? Je te rappelle que c'était aussi mon père. Il faut que je me confie à quelqu'un parce que c'est trop pour moi. J'ai le sentiment que sa mort n'était pas un accident. J'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Disons que dernièrement, il en voulait à la terre entière. Tu ne me hurles pas dessus dans ma maison, va-t'en ! T'es qui et qu'est-ce que tu fais ici ? Moi, c'est Noah. Le festival de musique créé par El Faraon s'est transformé en concours de musique retransmis à la télévision. Bienvenue à tous à cette première édition de Lucas Martin présente El Camino del Faraon. Je crois que c'est le moment parfait pour lancer ta carrière. Dis-moi pourquoi t'as voulu m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Le public veut voir les Diaz entrer en compétition. Je suis venue ici pour trouver des réponses. Et savoir ce qui est arrivé à mon père. Pipé, mon frère. Et j'ai découvert la musique. C'est seulement un concours, tout va bien. Non, c'est bien plus que ça. J'ai découvert... Et confiance en moi. Je te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Ce gars-là, le jeune qui était... C'est Noah, son prénom. Il s'entendait bien avec mon père. Donc ça veut dire que t'étais au courant? Pour être honnête... Je l'ai jamais trop apprécié. Yo te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Elle va rester. Non, je reste sur mes gardes.